Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR. Comment ça va, Dingo Didou? Ça va très bien, et toi, Nango Guido? Tu m'as pris Écoute, par surprise. je t'ai acheté Trixé là. Ouais. Et écoute, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un deck plutôt sympathique, pour une espèce de petite spécificité du standard actuel. Un bruit qui court, on pourrait l'appeler. La mécanique de dire à ton adversaire, tu ne joueras pas. Ouais. Tu ne joueras pas pourquoi? Pas parce que je vais contrer, dire non, je joue du bleu, ou alors je joue Nexus, LOL et compagnie. Non, Parce que tu non. n'as pas les moyens. Encore. Parce que tu peux pas payer quoi, tu n'auras pas les sous, tu n'auras pas l'argent. Donc du coup, je vais vous montrer Greenpeace. J'adore ce pseudo, c'est Pelle qui l'a trouvé, incroyable, exceptionnel. Voilà, les gens qui savaient déjà ont direct compris, et ceux qui savent pas, on va devoir leur expliquer. Vous allez voir, c'est très facile. Comment on empêche notre adversaire de jouer des cartes avec cette mécanique-là? En cassant ce qu'il possède. Les couilles. Les couilles, déjà, il possède les couilles, donc. Non, la mécanique en fait de casser les terrains, c'est pour punir les mana bases tricolores ou quadricolores qui sont extrêmement présentes en ce moment sur le jeu. Tous les decks à base de Planeswalker, tous les decks contrôle s'ils existent encore, ou tous les decks à base de Command the Dreadhorde jouent des mana bases qui sont très sensibles au cassage de pas de couilles, hein, de terrain. Et donc du coup, Champ de Ruines récursif avec Creuser des mondes, bah ça fait le taf quoi. Zone de déflagration également. Zone de déflagration, ça ne casse pas les terrains par contre. Non, mais ça casse le Mais reste. sac, les Et ça, c'est couilles, bien. voilà. Donc du coup, c'est l'idée du paquet, c'est de ramper dans Karn, de pouvoir aller chercher votre Creuser des mondes qui est aussi dans votre side, parce que lui va chercher un artefact qui est en dehors de la partie, pour pouvoir commencer à faire des boucles de champs de ruines tous les tours en cassant les terrains adverses. Et puis si vous avez un peu plus de mana que prévu, et bien vous avez des late games assez dégueulasses à base de Nissa, à base de Ugin, pour vraiment clore la partie. Et enfin, Que fait son plus 1 en fait à Karn? J'ai oublié. il transforme un artefact en En créature. créature, ouais. Ce qui peut Classique. avoir un intérêt sur transformer tes Creusers des mondes ou alors tes Immortal Sun ou tes golems. Bon, lui c'est déjà une créature donc c'est Ouais, con. mais ça devient une 7-7. Ça, c'est Voilà. une Ou ton 6-6, c'est bien Immortal ça. Sun en 6-6, ça peut être assez sympathique. Donc qu'est-ce qui Bah non, fait tu peux pas Karn? parce que si t'es immortel seul, tu peux pas plus 1. Eh ben c'est vrai, Mais tu putain peux il m'a transformer la trixé. statue. Donc ça ne sert à rien, tu peux transformer la statue. Qu'est-ce qui fait ce Karn? En gros, pour moins 2, vous choisissez une carte d'artefact que vous possédez en dehors de la partie ou en exil, vous la révélez et vous la mettez dans votre main. La première cible, la cible préférentielle, c'est d'aller chercher le Creuser des mondes qu'on a dans le cimetière pour commencer la boucle sur Champ de Ruines, Dans la réserve. dans la réserve. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que du coup, Attends, il faut que tu changes, voilà, sinon on ne voit pas voilà. le side. On a des cartes intéressantes en réserve. Parce qu'il n'y a pas forcément des mana bases qui vont être sensibles à Creuser des mondes, du coup, bah, c'est pas très intéressant le plan de jeu casse terrain. Dans ce cas-là, on va plutôt chercher des cartes disruptives adaptées au plan de jeu de l'adversaire. Si le mec joue un milliard de Planeswalker, ben on va ac accepter de perdre nos Planeswalker et jouer un Soleil Immortel. Ça paraît quand même assez fatigué. Hein. Peut-être que c'est pas une très bonne tech. Vous avez Statue du Dieu Pharaon qui peut quand même. Ben genre, Phoenix, il fait comment contre Statue du Dieu Pharaon? Ça coûte cher. Ça coûte très très cher de jouer tes cartes. Golem Tic. météoritique, ça détruit juste un permanent, donc c'est une gestion tranquille. Le Creuser des mondes pour continuer le plan casse-terrain. Longue Vue Ensorceleuse bah, pour gérer des Askenta ou alors des Planeswalkers, toutes les capacités qui peuvent être activées par des cartes puissantes. La Pierre Tombale Silencieuse pour interdire de jouer avec les cimetières, notamment pour Command the Dreadhorde. Voilà, je reviendrai ensuite aux autres cartes de side. Là, on va présenter maintenant, on va revenir au main deck. Pour que cette stratégie soit viable, il faut qu'on puisse ramper, c'est-à-dire Il faut aller ramper, vite et c'est bien. accélérer votre mana, et effectivement, il faut aller vite et bien. Et pour aller vite et bien, quoi de mieux que Elfe de la Noire et Druidesse de Paradis? On pourrait jouer Incubation Druid, le problème c'est que c'est très sensible à Babytef, alors que la Druidesse du Paradis, dans le méta, elle a l'avantage d'être jouée tour 2 et de ne pas être bounçable. On peut pas la C'est cibler. vraiment son énorme upgrade, Donc quoi. ça c'est bien. Et en plus, il fait un Voilà. malade la couleur de notre choix, ce qui Ouais. est mieux que la druide dans l'incubation. Ouais. Bon, après, dans ce créneau-là. Là, on Ouais. s'en foutait, Si mais franchement, si on jouait mono vert et que Babytef n'existait pas, si on était dans une autre timeline en somme, c'était mieux on d'avoir préférerait la Druidesse parce qu'elle des peut, elle peut incubations. être up quoi. Donc voilà, on a ça qui va pouvoir ramper dans Nissa et on sait que Nissa elle gagne des games toute seule. Moi j'étais le premier partisan de ouais, si t'as Nissa, faut rentabiliser ta mana, jouer des hydres derrière et tout. Oui, mais non. Non. Ça suffit. Vous faites Nissa tour 3, juste mettre des 3-3 célérité vigilance tous les tours. D'ailleurs, pour tous ceux qui étaient passés à côté de Nissa, c'est vrai que quand tu y repenses, un Planeswalker qui a 5 se protège tout seul et met des 3-3 vigilance célérité tous les tours, C'est bien. on aurait dû tous voir que c'était incroyable quand Et même. qui double ton mana, On potentiellement. aurait vraiment dû tous voir que c'est OK Nissa. Ouais. Le pack Explore, parce qu'il est solide et qui va permettre de vivre contre les packs agressifs, notamment avec les marchepousses sauvages.
Et aussi trouver nos land drop, parce que ça a l'air assez important dans le deck de trouver nos lands, parce qu'on a quand même une curve agressive, haute, je dirais. Exactement. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. Le petit lien d'abondance, c'est un peu pour faire la. En fait, le pack contient 58 cartes. Ouais. Et du coup, bah, tu veux remplir avec. Ça fait gagner des points de vie en plus. Voilà, elle fait gagner des points de vie, elle va chercher les cartes clés, notamment pour trouver les creusets des mondes ou le Karn, les Nissa, les Ugin. C'est un deck qui est carré solide, je trouve. Mm. Tout en x4, quasiment. Propre. C'est très propre. C'est un peu mono vert caca, mais. Mais toi, t'aimes bien jouer des couleurs qui vont à l'encontre de leur archétype de base, ouais. Tu vois. C'est un peu ça. Ah, mais clairement. On est sur mono vert contrôle. Ouais. Après, mono vert rampe. Ouais, donc, c'est vrai. Quelque part, c'est ce que ça fait, le vert. En même temps, mono vert magie, donc ça va. Là, c'est mono vert disruption, donc c'est rigolo. Et puis, pour revenir sur le side. Clique sur utiliser des styles juste. Pardon ? Clique tout en bas sur utiliser des styles. Voilà. On a un bel elfe et on aura un beau golem en 5 aussi. Ah, c'est sympa. C'est vrai qu'il est sympa ce golem. Regardez, il est beau. Alors, est-ce que c'est pas le croisement de Thanos et du mec dans le X-Men dans Deadpool? Colossus. Colossus, donc Thanos. Ou Colossus. Encore mieux. Colossus. Bref, passons. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces cartes vertes Atterrissage forcé. Typiquement, Phoenix, vu qu'il ne mélange pas sa bibliothèque, il me semble. Vous faites ça sur ces Phoenix, bah, ils jouent plus. Ils jouent plus de Phoenix. C'est vrai que c'est pas mal contre les Phoenix. Les trois sont au fond. Enfin, il faut qu'ils retournent au fond du deck. Ça éclate tous les Phoenix, même le Ravieux, c'est quand même vachement fort. Pas tout ce qui vole en fait. Kefnet, si jamais il y en a encore dans la méta, hop, ça dégage aussi. C'est trop parce fort. Parce qu'il meurt pas, il est pas exilé. Donc c'est genre, ah, je le mets en dessous. Oh, la tech de ouf. C'est très bien. Et je pense que ce pack est justement sensible à ça. Okay. Raptor des Shifters, bah, dès qu'il y a des créatures en face, vous allez rentrer ça. Pas des créatures agressives, forcément. Ouais. Vous allez rentrer ça. Genre contre Grune, contre mono red, contre mono blanc. Mm. Tu vas trade avec toutes ces bêtes et piocher des cartes, c'est trop bien. Ouais. Et en plus, mono rouge, il est obligé de te le gérer au prix de 2 cartes piochées pour toi. Il pourra jamais te le gérer en une carte. Donc pour 2 cartes à lui, toi tu gagnes 2 cartes. Tu gagnes 2 cartes, c'est comme si plus le Raptor. Donc c'est incroyable la différence que tu fais en termes de carte advantage avec ce Raptor. C'est value, hein. C'est vraiment très stylé. Et la petite Vivienne, parce qu'elle est Kali, c'est un planeswalker supplémentaire, ça gère les bêtes de vol. J'ai hâte d'aller tester ça en ladé. Ouais, grave. Qu'est-ce que tu veux tag avec un pack comme ça? Midrange. Midrange, parce que quand tu rampes midrange tricolore au contrôle, même si ça n'existe plus trop. Ouais. Parce que quand tu vas vite, en fait, tu sais que tu peux pas aller plus vite qu'un deck aggro généralement. Ouais. Par contre, tu peux aller plus vite que tout le reste. Ouais, c'est vrai. Du coup, possible. À part aggro, un tricolore avec une mana base un peu greedy, ça fera assez plaisir. Le vrai défaut du deck, c'est que bah il side assez mal, hein, parce qu'en fait, la moitié de son side est pris pour avoir des utilités sur Karn. Mais je pense que tu as des plans transformels où tu décides de tous tes cartes et tous tes creusets des mondes, notamment contre rouge, et où tu rentres les atterrissages forcés, les raptors et la Vivienne. Quoi. Ouais. Ok, let's go. Hein. On est parti en VO3. Incroyable. Et c'est parti. Oui, de toute façon, en vrai, tu peux jouer le deck en BO1 puisque ta réserve est pas incroyable. Peut-être que c'est un bon deck de BO1 à tester. Peut-être qu'effectivement BO1 ça marche. Et d'où vient le deck en fait? Je ne sais pas si tu l'as dit. Non, je ne l'ai pas dit justement, je voulais en parler, mais vas-y. Il a beaucoup traîné. On est au ladder mythique 92%. Ouais, il a beaucoup traîné sur les réseaux, ce deck, Twitter, Arena Decklist, etc. Et. C'est dégueu quand même. Hein. Ah, on n'a pas de chance. Hein. Un mulligan à 5. Ah ouais. Et il y a quelqu'un en fait qui s'est qualifié pour le jour 2 du WMCQ. Du MCWQ, pardon, donc le Mythic Championship Weekend Qualifier. Qu'est-ce que c'était? C'était ceux qui avaient fait top 1000 en mars et en avril, qui avaient un jeton pour se qualifier, donc un week-end en mai, le dernier week-end de mai. C'est ça, donc il y a un mec qui a fait 8 1. Et il y a un mec qui a fait 8 victoires. Pas forcément 1, il a peut-être fait 8 victoires. Ah, il a fait peut-être 8-0, il a au moins fait 8 victoires. Ou alors 7-2 et des partages. Il y en a 6 en face, quand même. On va regarder, c'est marrant, il y avait Karn et Ugin. En plus, tu noteras qu'avant la vidéo, la vraie liste jouait 23 terrains et un Adventure Simples. Qu'on a enlevé pour mettre un de plus. Et on l'a enlevé parce qu'on se disait 23 terrains dans un pack qui veut quand même ramper, ça a l'air un peu naze. Et force est de constater que c'est l'enfer, quoi. Tu commences, donc tu peux pas garder ça. Il me semble. Du coup, on n'est pas payé. Ouais, tu pouvais faire 7-2 et être départagé et passer quand même. Mais dans tous les cas, le mec a réussi à se qualifier, à faire partie des 128 meilleurs joueurs avec ce paquet-là. Donc ça veut dire que belle perf. Et de toute façon, le deck, on connaissait. On l'avait déjà vu un petit peu, mais c'était pas cette deck ici exactement. On en entendait parler exactement sur les réseaux. Il y a beaucoup de gens qui disaient, même sur les chats, hein. Ouais. Oh, vous avez entendu, vous avez vu Mono Green Tron, parce que le jeu s'appelle Mono Green Tron, qui est en référence à un archétype du moderne.
qui cherche à assembler Karn, mais pas ce Karn-là au top 3. Il est beaucoup, beaucoup moins sympa que ce Karn-là. Bon, au moins il y a Karn. Non mais c'est bien, des fois il n'y a pas Karn. Ça commence tellement mal. Puis on n'est pas sur une base de mana attaquable non. en face. Même le génie, si, tu peux casser. Mais... Oui, mais il va aller chercher un land derrière, quoi. Eh ben c'est bien. Et je crois qu'on a oublié de mettre les landes dans le deck. Et on a mis que deux forêts. Hein. Et je suis con, hein. Ouais, ouais. Putain, putain, écho. Bah, s'il joue Nexus, on peut pas gagner. Déjà. Voilà. Alors, en faisant ça, non. Mais même si on jouait bien, enfin, pas bien, mais si on jouait, parce que là, on joue pas, hein, c'est compliqué. Après, attention, il y a une notion de beatdown qui est quand même très, très présente, là. Et très appréciée. Ah, parce qu'en vrai, tu le tues en deux tours, là. C'est vrai. Attention, outback. Il va falloir que tu trouves des trucs, quoi. Parce que si tu mets des... C'est notre chance. Ça, c'est l'avantage du mec qui rampe sans le pack explore. Mais 6. Je vais y mettre 6. Comme Catherine. Catherine de Mais 6. Oui. Bien joué, ça. Ça, c'est bien. Est-ce qu'il l'a? Et je suis tellement content quand il l'a, quoi. Putain. Elle devient quoi, d'ailleurs? Est-ce qu'elle a encore sa tête? Je suis pas... Genre, est-ce qu'ils l'ont guillotiné, quoi? Je sais pas. Tu sais, on a une époque on a une époque où la plupart des gens se faisaient guillotiner. Si tu étais noble, tu finissais guillotiné. Quoi. Soit tu mourrais jeune, soit tu mourrais jeune, mais par la décision de quelqu'un. Exactement. C'était très rare, genre, d'être noble et de vivre longtemps, tu vois. Ouais. Ou alors, oui, mais on n'entendait pas parler de toi. Oui, c'était... Ah bon, il a existé? Il faisait pousser les patates. Ah, c'est fou comme c'est dur de trouver les landes, mais je suis très content de beatdowner à Outback du coup. Mulligan à 5, on beatdown nous. Oh, il explose. Nissa, c'est bien par contre. Qu'est-ce qu'il peut faire là? Ah, il peut faire Fog. C'est assez marrant d'avoir un soleil immortel quand tu vois notre main. Je trouve. C'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Peut-être non, que c'est pire que se tirer une balle, c'est vraiment prendre une balle et la mâcher, tu vois, jusqu'à ce qu'elle explose. On la mange quoi, on mange la balle. Au bout d'un moment, paf, ça te pète à la gueule, tu fais « Bah, qu'est-ce qui se passe ?» Tu comprends pas. C'était pas mal à barre. Ah, il a deux petites perles au cul, le scorpion, là. C'est assez marrant. Ah, j'ai pas vu. Putain, fallait ceux que... Comment il s'appelle déjà sur YouTube, Pinchy Maxtingbot. Pinchy Maxtingbot. Ceux qui sont sur YouTube pour regarder, c'était... Ah, bah voilà. Ah non, c'est son ombre. Mais pas très... Regarde là. Ah oui, j'avoue. Donc, typiquement, là, c'est pas son ombre. C'est ses couilles. Il est bien pourvu, Pinchy. Ah, il fait comme nous, mais il le fait lui. Bah, lui, il a les. Après, les, il est mort là. Il a les terrains quoi. Ouais, pour l'instant, il est mort. Mais il va avoir une gestion. Il a Fog, parce qu'il est bon. Il va d'étape 2. D'étape 2, Fog. Il va avoir Fog, putain, il est bon. Ah ouais. C'est le génie. Oh là là, il met même 3. Ah bah, il se permet. Parce qu'en vrai, là, champ de ruine. Attends, parce que Karn, si tu vas chercher Creuser des mondes, ça sert à rien de faire. Hein. Propose-lui l'étal. Non, parce que je vais pas chercher creuser des mondes, mais si je fais champ de ruine, je casse sa forêt, mais il peut fog en réponse. Donc dans tous les cas, c'est pas un play gagnant là. Ouais, mais tu lui enlèves un land. Ah, mais il va en chercher un autre, donc il gagne, ça change rien. Je t'assure qu'il aura d'autres basiques. Donc je pense qu'il faut faire Karn et aller chercher genre Spyglass. Ouais. Est-ce que tu vois un autre play? Faites creuser ton prochain, tu peux faire déjà, double champ de ruine. On lui propose l'étal. Ouais, ouais. Ouais, mais double champ de ruine, ça sert à rien. Il a une mana base full basique. C'est ça le problème. C'est que sur les mana bases saines, ça sert à rien à creuser des mondes. Ouais. Et elle est très très saine, quoi. Elle est bien saine. Genre, il a eu une saignée juste avant, quoi. Elle est saine et sauve. Elle est saine et sauve, vraiment. Bon, ouais, si tu l'as, ton fog, joue-le. Genre, GG ou pas GG. Enfin, y a pas de débat à Outback. C'est tu l'as ou tu l'as pas. Il joue la cloque. Ouais, mais il devrait pas. Non, ça n'attaque pas, elle va mourir. Quoi? Elle va mourir, t'as 2-1. Ça n'a rien à attaquer avec. Oui, dans tous les cas, il pourra. Quoi qu'en fait, si elle meurt, ça veut dire qu'il a pas fog. Et... Bah ouais, j'avoue, en fait, c'est bon. Ah non, mais si la fog, elle va mourir. Ah non, elle va pas mourir. Putain, tu m'as tricksé. Non, faut attaquer. Parce que fog enlève les blessures de. Putain, il y a fog quoi. Contre? Bah on peut pas. Parce qu'on joue mono vert. C'est bien. Bah Karn, je pense. Karn est mort, là, tu le poses. Hein. Ouais, mais il aurait été chercher une sorcière au Spyglass. Bah vas-y. En fait, est-ce qu'il sert à autre chose que tuto? Bah je crois pas. Bah voilà, du coup c'est bon. Outside the game. Oh. Tu
Je peux prendre Soleil Mortel aussi. Je crois qu'on n'a pas le choix. Mais je crois pas non plus. Et c'est fou quand même de pas être payé comme ça, putain. Il va avoir un mystique, hein. Il va nous apprendre la vie. Et lui, il avait quand même ses deux collets de racines sur 15 cartes. Ça pouvait ne pas arriver. C'est vrai. Il a quand même beaucoup de mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Après, s'il a rien à en faire. Ah, attends, il va faire des trucs là. Ah, des beaux trucs, hein. Après, il a rien pour piocher. S'il a ni Nexus ni Fog, ça le fera pas gagner, quoi. Ok, il va nous mettre 6. Ah non, il va nous mettre 3 parce qu'il va tuer Karn. Il est peut-être mort là quand même. Hein. Il est peut-être mort, mais s'il a encore un Fog, il est juste beaucoup trop fort pour nous. Des fois ils sont trop forts. Il va chercher Fog. Ah bah il reprend Fog, mais il peut pas le caster. Mais il va tout détaper. Après on a le droit de piocher des landes à un moment donné, sachant qu'on est en Mulligan à 5. Ah my god. Après je peux longue vue sur Ah il y a du What? Nexus. Il a encore un Fog à main du coup. Fog à main? Ou alors il perd sur le play s'il trouve pas Nexus. Il a pas trouvé Nexus en plus. Non, non. Il en Ah a bah il perdu avait en un. main. C'est pour ça. Eh ben on a perdu. Mais il nous met 3, 9. Enfin s'il retrouve Nexus, on a perdu. Parce que là il nous met 9, on est à 5 et il joue un tour supplémentaire et GG all play. C'est chiant, hein? Bah c'est un bon jeu quoi. C'est un bon jeu. C'est un très bon jeu. Et c'est une mana base non attaquable. Donc Donc déjà le plan de jeu était complexe. Ouais, Complexe. contre lui ça passera pas. Parce que Voilà. si jamais il y a les quatre couleurs de Redrance qui se baladent. Ah là On les attrape par les on chevilles. les tatane. Bah déjà on les planeslay. Grâce à Nissa. On peut les manger. Genre on prend les. Tu joues les Planeswalkers, moi je le mange, ton Planeswalker. Ouais. Et puis au pire, je suis con, il aura pas le temps de les jouer, on va juste les casser donc. Mais ouais. Ah et casser les landes quoi. Apparemment, c'est compliqué. Hein. Ça a l'air dur de faire plus un Nexus et de le jouer. Sachant qu'on a plus l'étal nous. Enfin, on peut top deck land et avoir l'étal, Bah mais. si ça va, tant qu'il y a 3 bêtes, on a l'étal. Parce qu'on en tue une avec Champ de Ruines. Ah, c'est vrai. C'est si dur d'attaquer et de caster Nexus Outback. Yes! Oh! Oh la punition! Yes! Mais pourquoi il a même pas essayé de Tamio? Ah ouais? Pourquoi il a pas Tamio plus Je 1? sais pas. En tout cas, on peut pas s'aider contre lui. Bah on peut. Tu veux décrire? Ah bah j'ai pas le Je choix de pense toute qu'en vrai, façon. il faut juste rien faire. Ah bah non, tu laisses pas creuser et compagnie quoi. Plutôt que de jouer un truc à 4 qui va chercher un truc à 2, on va jouer le truc à 2, tu vois. Ouais. Je me décrase, je le beatdown, ça a marché, hein. Faut que t'enlèves trois trucs. Regarde ce side, je suis un génie, gros. Vas-y, vas-y. T'as rien envie de prendre dans le side? Bah non, j'ai tout mis main deck. Ok, genre même la pierre tombale. Baf. Baf. Il peut plus jouer. Enfin, Tamio peut plus faire de moins 3. Allez, t'as raison. T'as raison, t'as Et raison. cut-moi don de druidesse. Oh non, faut ramper, hein. Ah, j'ai mis du haut de curve énervé quand même. Cut-moi don On rampe de déjà? raptor. Peut-être que c'est deux marche-pouce qu'il Ah bah faut. oui, cut ça là, c'est chiant ça. Ok, ouais, c'est moche, hein. Oh, c'était pas beau. Bon, on a le meilleur side qu'on puisse faire Et trop fort. avec notre deck, je Il est crois. enfin, il est insolutionnable là. Pour lui, c'est forcément une défaite. Mon dieu. Outwak. Du coup, on joue juste mono vert ramp. Il n'y a plus du tout d'idée de tronc, pas On tronc. s'en fout. Oh ouais. On va jouer des caca et ça va peut-être suffire. Et ça, c'est très rigolo. Greenpeace. C'est une belle forêt quand même. Ouais, j'ai toujours pas changé mes forêts alors que maintenant, soi-disant, c'est plus facile. Et comment fait-on? Eh bien, je ne sais pas. Eh bien, c'est dans l'éditeur de deck, il y a un petit truc qui s'appelle Standard Lander. Ce tuto, on va le mettre dans le titre, ça va cliquer. Ouais. Vous cliquez sur Standard Lander et vous avez tous les basiques qui apparaissent. On s'accélère comme ça, on fait Raptor into Nissa. La curve est tellement vénère, il va concéder, gros. Qu'est-ce qu'il peut faire contre Il ça? va concéder. Regarde là.
C'est-à-dire qu'il va céder en étant lui-même con, tu vois. Ok. Non, il va céder un con. Ou il peut aider un con, ouais. Oui, ou alors il le cède. Céder. Et il le donne. Ouais. C'est comme si Thierry Lhermitte, il avait donné François Pignon. On dirait genre du vieux français où il parlait un peu à l'envers, c'est « il ne faut pas qu'on cède », tu vois. Ouais, c'est... c'est Yoda qui dit ça. Ouais, c'est ça. Genre Yoda, genre, c'était un vieux français. Il ne faut pas raison... il faut raison garder, tu vois. Il ah, ne ça... faut pas qu'on cède. Ouais, ça, ça marche. J'aime bien. Ça me parle. Allez, Maisy 6, là. Non, j'ai eu ma 6, parce que... Maisy 7, pardon. Maisy 7, voilà. Catherine. Catherine de Maisy 7. Bah, dès qu'il y a Maisy, ça marche un peu, quoi. C'est fou, quoi. On est en train de le beatdown, mec. Il est pas prêt. Et c'est le side, ça. Hein. C'est le meilleur side. Ah, c'est le meilleur side. Oh, s'il a fog sur 9 cartes, il en joue 8, quoi. Ah, de toute façon, là, ça sert à rien de foguer. Ton prochain, par contre... En vrai... Il y a des tables, ton prochain. C'est aggro de chez aggro, ce paquet. C'est presque aussi aggro que le Mono Noir des Fosses. Ah ouais, je fous. Pour ceux qui ont vu la vidéo, allez voir la vidéo deck budget, c'était assez rigolo. Hop là. J'aime bien poser ma souris sur des endroits extrêmement satisfaisants. Ah ouais. Et genre là, prendre le contour parfait, c'est pas facile, hein, mais c'est assez satisfaisant. Ah, attention, monsieur. On est sur un miroir. Enfin, on n'a pas le même board quand même, mais on a les mêmes valeurs. S'il ranime pas une forêt... Voilà, il faudrait qu'il réanime ça, le bassin des loges. Oh là là, oh yes, l'erreur du joueur français. On sait pas s'il est français d'ailleurs. Bon, on va prendre, je pense. Oui, oui. Pas de bloc. Ah, mais c'est vrai qu'il détape. Chandarine. Ouais, c'est pas grave, on peut quand même enlever un bloquant, non? Oh, vas-y, Chandarine et casse-moi ça. De toute façon, on a un milliard de mana, on est d'accord. Casse-moi tout là-dedans. C'est ce que tu dis à tes partenaires? Ah non, je n'ai pas ce genre de pratique. Putain, c'est vrai qu'avec Nissa, on a plein de mana. Eh oui. Mais plein de mana. Mais genre trop même. Genre en vrai, on a besoin que de 6, tu vois. Donc on a ce qu'il faut là. Ah, prends le mana en réponse, putain. C'est un bon joueur lui. Oh la sauce, c'est quoi? Il pouvait rien faire. Oh le pack aggro quoi. Nexus, nul. Nexus. Allez, Oli. Alors, on est reparti. Nexus du destin nul. Arrêtez de jouer Nexus, c'est nul. Ça ne marche plus. Parce que d'un côté, vous prenez Baby Tef, et quand vous prenez Mono Vert, vous perdez quand même. Parce que vous faites beatdown. C'est fou, mais on jouerait pas des Stylif champions dans le paquet? Beatdown on it. Beatdown on it. Mais oui, mais 4 Stylif champions en side. À la prochaine. Ah, mais tu fais un side transformé là. Ah non, tu peux pas, il faut que t'aies des cartes. Ça va. Ça passe, hein, grâce à ça et ça. Je trouve quand même que c'est véhément sur le nombre de terrains. J'ai envie d'en jouer 25. Bah, surtout que tu joues plus de terrains que de Planeswalker, mais t'as plus de Planeswalker que de terrains. Genre tu joues deux fois plus de terrains. Ouais, c'est vrai. Parce que t'as 12 Planeswalker. Planeswalker. Après, si tous les adversaires mulligan, c'est peut-être la force de ce jeu aussi. Hein. Et on joue contre qui l'aura? Donc c'est le verbe tuer en franglais à la deuxième personne. Ouais. L'indicatif au futur. Ou alors c'est un mec qui a un très mauvais accent pour dire Killua. Qui est... Ouais, non, il est très très mauvais accent. C'est extra... Ah, ça, pas de problème. Pareil. On va chercher si le terrain. Si tu veux ton land, voilà, tu sais avec quelqu'un d'abondance. Après, si tu veux bloquer, c'est avec Marche-Branche. Ah, on peut vouloir bloquer si jamais il n'a pas de deuxième land. Mm. C'est pas mal, ça. Ça vaut le coup, hein, je pense. Ouais. Hein. Parce que on sait que les mono-rouges sont très dépendants de Light Up the Stage en ce moment, dans le méta. Parce qu'il joue beaucoup de drop 4 et seulement 20 mana. Il y a Autumn Burkett qui a fait un tweet très intéressant sur Mono Red où elle explique que le fait que ce deck marche est un non-sens mathématique en fait. Mm. Et du coup, il amène beaucoup de frustration parce que t'es pas censé pouvoir jouer aussi peu de land pour faire marcher Frenzy et en même temps arriver à caster Frenzy aussi facilement. Et ça vient du fait que quand t'es sur le play et que tu peux connecter avec Coureur, t'as Light Up de ce stage qui corrige tous ces non-sens mathématiques. Et c'est pour ça que le deck est entre guillemets un peu problématique. C'est assez bien expliqué ce qu'elle a dit. Je le dis sûrement très mal. Non, c'est allez, bien. Allez le lire. C'est bien. Eh ben c'est bien, c'est très très bien. Ça fait envie, mais... Mais ça sert à rien. Par contre, on a du bon side contre lui. Hein. Ouais. Allez, Rip Joe Raptor, il va pas kiffer. Ouais. Quoi. Par contre, ça c'est vraiment naze hein, contre lui. C'est non efficient. Bah, en fait, nos champs de ruines ne peuvent pas cibler ces montagnes. Donc ça va pas être bien, quoi. Ok. Après, sur une sortie Nissa, si un jour on a Nissa, bien sûr... Si on pioche des manas, quoi, ce sera bien.
Un land, encore un, et on est bon. Tout est bien. Mais on pique un. Qu'est-ce qu'on veut contre, contre le collègue là? Je sais pas, mais tu vas faire moins 2. Ouais, dans tous les cas. Pas trop fort quand même, le jeu. Longue vue, ça empêche pas Frenzy de marcher, mais ça empêche Chandra de marcher. Après, si le split actuel c'est 4-1, c'est pas ouf quoi. Ouais. Est-ce que le play c'est pas soit statue du dieu, soit golem météoritique? Ah, le problème c'est que statue du dieu on aura déjà stabilisé avant de. Et pareil pour golem. Hein. Tu penses pas? Si on arrive à passer Nissa et Ugin. Golem ça permet de détruire une frenzy. Ouais, je sais bien, je sais bien. Mais Ugin aussi, tu vois. Alors que là, longue vue au moins on est sûr de gérer Chandra si on la prend le tour d'après. Ouais. Ça peut gérer Steamkin aussi, hein. C'est un mini argument. En gros, non, il peut pas prendre sa mana. C'est des capacités de mana. Ah, c'est des capacités de mana? De prendre le. Il me semble, hein. Ouais, t'as peut-être raison. Retire 3 marqueurs, ajouter 3 au tout, ouais, ça marchera pas, je crois. Bah, moi, je prendrais Golem, ouais, du coup. Ok, ok, ok. Bon, on sera déçu seulement si on prend Chandra, de toute façon. Ouais. Ce qui est pas forcément. En fait, si on prend Chandra à ce tour-là. Oui, oui. Ah, bah oui, oui. Et si on ne pioche pas de mana? Non, ben, ouais, c'est vraiment le problème de mono red, c'est vraiment aligner le quatrième mana, c'est souvent très compliqué hein, par contre. Il a pioché deux quand même avec son light up the stage, mais. Ouais, mais si t'as même pas pu passer light up the stage, tu vois. Bon, là, ouais. Lui, il l'a, mais en vrai, un deck qui veut. Oh putain, c'est fou quoi qu'on soit pas payé. Il a le mana, ça. Il a le Chandra. Un mec qui veut aligner 5 drop 4 comme ça, il voudrait jouer au moins 22-23 landes, tu vois. Si ouais. Ce n'est 24, hein. Mais ouais, t'as Steamkin aussi qui gomme ses faiblesses là, yes. C'est vrai que j'ai oublié de noter Steamkin, mais. Ouais, du coup, Chandra va prendre un petit coup peut-être. Peut-être pas. Hein. Je crois pas parce que sinon ça va tuer notre Chandra instantanément. À 6, alors que Ugin ça ira oui, non, direct okay. Beatdown. Oh, et oh. Je peux y mettre 3 par contre. C'est gratuit. Si et on arrive voilà. À setup Ugin le tour d'après, c'est bien. Ouais. Et là, pour aller la chercher, la Nissa, c'est pas donné. 1, 3... Hein. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, 9, 10. Ça commence mal. On a 11 mana, donc on peut faire Ugin plus autre chose, potentiellement. Ouais. Ça commence assez mal qu'il ait trouvé ça, malheureusement. Ouais. Ça va lui permettre sûrement de gérer Nissa au prix de quelques efforts, hein, mais... Mais nous, c'est notre condition de victoire, donc... Le problème, c'est que là, il va nous péter un land. S'il arrive à péter le land plus Nissa et qu'on top deck pas de land, on a instant lose la game. Mm. Il me laisse une chance de bloquer, il est gentil. Plus comme ça. Hein. Ouais. S'il a Chain Whirler, bah, il est fort. Ouais. Putain, là, s'il fait Chain Whirler et Chaos Sorcier, ouais, tout perdu. Ouais, ouais. Mais je pense que c'est son play. Hein. Ouais. Ouais. Bah, dommage. On peut encore top deck land, mais si on top deck pas land, c'est fini. Ouais. Puis même si on top deck land, on c'est est rude, pas. Hein. Ça, c'est la game de trop. Non, je pense pas. Je pense pas, je pense pas. Oh, je joue ça, mais ça sert à rien. Attends, est-ce qu'on a des landes dans le cimetière? Oui! Ah, donc tu peux creuser. Je peux creuser land elf. Land elf. Ok. C'est bien. Oh, magnifique. Ah, t'as caché l'animation. C'est vrai, je suis désolé, je m'en suis rendu compte après. Et en fait, je m'y attendais pas. Je savais pas qu'il allait avoir une animation. J'ai jamais joué creuser des mondes donc. Normalement, il y a une animation pour toutes les mythiques. C'est vrai, j'ai pas du tout pensé quoi. Et je pense qu'il y en a pas mal, on sait pas ce que ça fait. Oui. Genre pour parler. Les pourparlers, pour parler c'est... à l'eau ah sueur. Putain, oui, c'est vrai. C'est pas faute de l'avoir collection drafté une fois, mais... Ou deux, même. Ok, ou deux. Mais bon. En même temps, pour parler à l'eau sueur, quoi. Rien que ça, ça veut rien dire. Ça sert à quoi, ça? Ah, ça, c'est pour parler à l'eau sueur. Oui, il y a de quoi, à l'eau sueur. Bon, raconte ma vie, quoi. 4, 5, 6, sur un land, on peut faire Golem. Golem et du Chandra. Ouais. On peut faire Ugin, tu fais Chandra et... Mort du guide. Oh, c'est beau ce qu'il fait ce deck. Ça me donne presque envie de jouer mono rouge quand je vois qu'il pioche autant. Parce que moi j'adore piocher. Mais franchement, c'est il est trop fort ce deck. Il est vraiment trop fort. C'est ouf. On va prendre 5. Hein. Et ouais. On va prendre 5. Peut-être qu'il soit capable de grinder comme ça, même en late game et tout. C'est une dinguerie quoi. Oh, c'est vraiment. Oh, c'est le pire quoi. C'est le pire, hein, parce que c'était sa dernière carte et c'était celle qui nous empêche de faire Ugin ou Golem et de pas prendre 7 et de mourir, quoi. En fait, on est dans une game qu'on a perdue, là. Mais... Oui. Je regarde juste le top deck, on sait jamais, peut-être on joue des Vras ou des... Non, on fait pas ça.
Une forêt. On peut faire Ugin, hein. Oui. Mais on est mort. On n'est pas mort. On n'est pas mort. Après, bah, pas vivant, quoi. C'est le play quand même. Hein. Ah bah oui. Est-ce que si on fait Chandra, on peut faire... Non, ben non. Ah, tu es mort. Si tu veux faire Chandra, tu vas mourir. Ok. En plus, il va aller mettre 2 points dans Ugin, donc on est encore moins mort, quoi. Ouais. Oh, le golem coûte que dalle, quoi. Ouais, c'est vrai. Et il est presque, il serait presque joué, hein. Il est rentable, là. Hein. Pour 5, une 3-3 qui tue en permanent, ouais, c'est bien. Ouais, ça serait même très joué, je pense. Ok. Fais voir ce que ça fait, zone d'effagration. Ça met des marqueurs, et pour 3, ça... Je vais voir si je vais l'engager à chaque fois. Et ouais. Bah, sinon, on aurait pu raser son bord le tour d'avant, mais... Si on fait golem, on tue ça, on est mort. Est-ce que tu peux pas faire Nissa golem? T'as 5, 6, 7 mana. Si tu payes avec ta zone de flagration, il te reste 4. Ah, il me restera 6. Et tu fais plus 1, il te restera 6. Oh, t'es one off. Eh ouais, je suis one off. Parce que c'était le play gagnant. C'était le play sauvant, en tout cas. Mm. On peut pas, hein. T'es sûr? 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste 4, 6. Ouais, c'est sûr que c'est mort. GG, well play. Allez, on va sider. Et on va sider efficacement contre lui. Hein. Efficace et pas cher. C'est le side que je préfère. Exactement. Genre, ça. Là, c'est bien. Ça, c'est bien parce qu'il rentre des phénix. Et ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'on veut d'autre, là? En fait, qu'est-ce qu'on veut pas, déjà? Karn. Oui. Creuser des mondes. Oui. Les elfes. Oui. Attends, parce que tu rentres plus assez de trucs, là. On garde des elfes. Surtout que tu commences. Attends, attends. Y a pas autre chose à rentrer? Ça, c'est pas mal, non? Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, je sais pas. Longue vue, c'est bien. Ouais. Golem, c'est bien aussi. Hein. Golem, c'est très très light quand même. En même temps, t'as Ugin l'ineffable aussi. Hein. Eh ouais, je sais, mais il y en a 4. Tu vois. Vas-y, pars comme ça. Ouais, on part comme ça, vas-y, je pars comme ça. Je suis fou, moi. Sur un gueudin, je longue vue, c'est vraiment juste pour Chandra. Hein. Ouais, mais. Ça fera son petit taf. Qu'est-ce qu'on peut choper à part Chandra? Sachant qu'après side, il a mis une Chandra de plus normalement. Si son split c'était 4-1 ou 3-2, dans tous les cas, il aura 2 Chandra après side. Bonne main, ça. Ok. Ah, c'est vrai qu'il y a aussi un monde où on fait marcheur et marche-branche et on a gagné. Et c'est pas mal. Au compte mono-rouge actuellement, malheureusement ça suffit plus, mais. Non, mais ça fait gagner. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Bah, tour 2, on va faire Druidas de Paradis. Ah putain! Mais c'est bien contre Tibalt aussi, Sorcerer Spyglass. Effectivement. Tibalt. Bah, je pense qu'il le joue après ce qu'il a rentré contre nous. Mais tu fais Druides ou Marche-Branche? Moi, je ferais Druides pour faire Marche-Pouce Sauvage, Marche-Branche le tour d'après si c'est commis pour faire Steamkin. Oui, ouais. Si j'ai un land en plus, t'as raison. Mais je pense que là, donner Marche-Pouce, il y a énormément de chances qu'il y ait une gestion. Non, c'était Marche-Branche, là, le c'est P, ça, ouais. Si c'était pas Druides. D'accord, ok. Si je top deck land, je le satèle. Elle est directe dans ta main, quoi. Faut aller chercher si tu es sûr de faire ton play, tu fais Druides là. Ah, quoi que non, si bah en fait, le mieux c'est de faire marche-branche, trouver un land et descendre notre deuxième Druides. Ouais. Par contre, sur, ouais. On est. Bah, on s'en parle encore trop sur Chainwaller. Ah, Chainwaller, tu perds 3 bêtes, tu peux pas là, je crois. Non. C'est trop grid. Ouais. Surtout que ça t'ouvre aucun play de faire ça. Non, non, ouais, t'as raison. Faut pas le faire. Faut pas le faire, et après s'il est extrêmement bon, bah on peut pas trop se battre, quoi. Croiser les doigts. Oh putain. Bah il est très bon. Ouais. C'est bon. Charal. C'est vraiment un doux moment que je passe. Oh, c'est ouais. Horrible. Mais on se bat avec nos banas. Au gros, on a comme un deck si la vie nous disait nique-toi. On est un mono vert rampe et on n'a pas de land sur toutes les games qu'on fait. Toutes la druides, hein. Ça me donne envie de prouter, quoi. Mais prout. Voilà. C'est dingue, quand même. Hein. Puis là, je sais qu'on a déjà perdu. On est méchamment derrière, quoi. Pas dit, hein. Comme disait un ami à moi, pas digne. C'est dur, après. Ouais, C'est pas facile. Je trouve que c'est extrêmement dur. Comme l'album de Johnny. Pas facile. Il a un album qui s'appelle Pas Facile? Ouais. D'accord.
Allez, gros, il est en train de nouillage dessus là. On est en train de. Oh, il nous cague dessus, quoi. Il nous a cagué à la bouche. Ouais, vraiment. Après, bon. C'est rend service à Bertrand. Et te le rend cagant. Ouais, voilà. Il t'a posé la pêche là, il a ouvert la chemise et il te l'a posé sur le torse là. Juste là. Pour l'instant, on prend 8. Non, 9, pardon. Ça va. Moi, bon, si on est qu'à 5, ça passe. En vrai, on va repasser 8, donc c'est bien. Hein. Ouais. Mais tu sais qu'en vrai, on est mort, il va enlever ses 3 manas et il va faire strike shock. Strike shock et je m'en vais. Je quitte le décor. Parce qu'on restait à 5 du coup. Incroyable. Eh ben j'en veux une de plus. Ça me suffit pas, mec. Attends le temps, voilà. Attends seulement le temps. Est-ce qu'on a le temps? On a guère le temps, malheureusement. On a guère le temps. De plus. Mais je pense que cette game de trop est très bien. Tu penses qu'elle est très bien? Ah ouais, franchement là. Ah, je suis déçu. Faisons-en une en BO1. Oh oui, yes, ok. Est-ce qu'on doit adapter le deck? Pas du tout. Surtout pas, Val. Surtout pas. On touche à rien. C'est le meilleur deck, il faut pas toucher. Oh, tu fais pas de BO2, hein, toi. Et pas touché, oh. Fais même pas de deck sélectionné, quoi. Allez, Goudinou Pissu. Allez, un petit BO1, là, c'est parti. On va en prendre un, gros. Il y a à prendre pour tous les autres. Ouais. Enfin, pour le mono rouge, là. En même temps, le mec, il nous pisse à l'arrêt, quoi. Ah, vraiment? De raie, Odile de raie. Il a pissé à nos deux raies, quoi. Rubik's Cube. C'est l'inventeur de Rubik's Cube? C'est peut-être lui, hein. Il se serait créé un compte Magic Arena, quoi. Oui. Elle est déjà beaucoup plus satisfaisante, cette main. Mais ce qui est fou. C'est qu'il y a un jeu qui s'appelle le Rumicube et qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir. Et tu sais que je l'ai confondu très longtemps. Mais c'est normal. Je crois que même encore adolescent, j'étais en mode mais pourquoi les gens se trompent? On dit pas un Rumicube. Ils se trompent. Ils se trompent en trombe. Mais regarde-moi le. Voilà, encore un qui joue Monored. Mais que fais-tu là? Et si du coup j'étais là en mode. Abonné, pas bien. Bah c'est pas un Rumicube, c'est un Rubicube. Et Rubix. Et je passais pour un con. C'est pas grave. Grudesse. La druidesse de ce play, quoi. C'est marrant, ton prochain, tu peux faire marche-branchandine. Là, on vous fait deux games de trop. Hein. J'espère que vous appréciez. Tu peux faire marche-branchandine. Et reprendre Tien Waller. Ah, ah oh là. C'est bien ça. Oh, enfin un bon play. Là, il est content, là. Un bon poissonné. De la patate dent. Oui. Oh, bien ça. Surtout qu'il a pas les lavacoils, lui. Alors, est-ce que. En BO1. Tu as 4 points de dégâts, Coco, ou pas? Parce que sinon, que si tu les as pas, bonne nuit, quoi. Je t'en supplie, ne les ai pas. Ne fais pas Tibalt comme ça, genre, comme ça, main deck et tout. Je vais rager, quoi. Ça va pas me plaire. Ça me va. Oula, j'aime pas trop qu'il cible le marcheur. Eh ben, c'est bon. Ah non, c'est toujours pas bon. Pourquoi? Bah, parce qu'il peut prendre du mana. Ah oui, c'est effectivement. Oh là là, s'il a Lightning Strike, je vais aller manger du sel dans ta cuisine, quoi. Je vais m'en mettre dans les yeux pour que ça pique. Et je vais frotter. J'ai du citron aussi, hein, si tu veux. Je fais le combo. On fait un combat. Mais le mieux, c'est de mettre citron d'un côté, sel de l'autre, et tu compares. Et tu dis, qu'est-ce qui brûle le plus? Du coup, est-ce que si je bloque avec marche-branche, en fait, s'il veut prendre son mana pour tuer notre marcheur, il perd son Steamkin. Est-ce que c'est un vrai play? Ou on prend juste 4 et on acte que de toute façon, c'est il un vrai play. Ça vaut le coup, hein? Ouais, ouais. Là, il se dit, oh merde! Ou alors il se dit, le con, j'avais rien à jouer. Et il parle comme un méchant de manga. C'est pas grave, parce que nous on fait Ranger Jet Feu, et là le marcheur, il est vraiment inciblable. Quoi. Oh yes! C'est bon ça! Oh, c'est bon ça! Je l'adore ce mec! Et du coup, je pense qu'il voulait garder son Steamkin, et justement, ton play. Donc du coup, c'était le meilleur play. C'était le meilleur play. C'était le meilleur play. Et là, il va contre Seed là. Ou là, en réponse, genre, il fait. Mono blanc, ouais, il le fait juste en réponse, on est con. Mais non, il peut pas. Ah okay. Si, il peut. Mais sûr que si, il bibliothèque. Peut. Quoi c'est que bien ça. Si, bibliothèque. Ah, on a juste perdu un. Ouais, c'est bon. Ah non, c'est bon. Non, mais dans tous les cas, penser au play et jouer en fonction, ouais. On pourra pas se le reprocher. C'est sûr. Champ de ruine, est-ce que t'y mets tout? Non, ça sert à rien, mais t'as druides là. Ouais, t'as raison, ça sert à rien. Oh, on est trop bien en fait. Ouais, du coup, mono rouge, il est fait pour battre 20 PV. Mais si t'en as 30. Si t'en as 29. Moi, j'attaque. Vu que tu vas pas bloquer avec, ouais, tu peux attaquer. C'est risqué ou pas? Non. Il fait triple bloc plus strike, et en vrai, je rigole s'il fait ça. Ouais. Genre, je suis content. Il est fort. Je dis, vas-y. En vrai, il va juste bloquer et sacrifier. Ou pas. Ok. Eh ben, tranquille.
On a Ugin qui arrive là, c'est bien ça. Oui, putain, j'étais là en mode merde, on aurait dû poser la druidesse, sinon on fait pas Ugin, mais c'est bon, on fait Ugin. C'est bon. On fait Ugin, c'est bon ça. Ça, c'est fait Chinmarler. Bon, dans tous les cas, ce play ne nous sauvait pas. Mais... Non. Il va falloir qu'on fasse des choses puissantes et vite. Hein. Ah, bah il y en a deux, c'est bien ça. Parce qu'au final, je suis pas si rassuré là. Genre, c'est cette pas game, si rassurant, hein. Non, c'est pas fou. On fou, est toujours à 21, mais. Voilà, plus de cartes en main, ça fait plaisir. Bon, du coup, on va pas attaquer. Si ça te dérange pas. Non, il a quand même un board, mon gars. C'est ouf, hein. Ouais. Ce que ça fait, quand même. Un peu. Non, après, mais on a une stratégie qui pioche bien. Pioche quand même bien, lui, hein. Non, tais-toi, Chandra. Vraiment, là, c'est vraiment pas le moment de parler, quoi. Oh, ACO! Non, tais-toi. Oui, c'est moi. Non, c'est lui. Ah, c'est marrant parce que du coup, Ugin qui permettait de revenir, maintenant te permet juste de tenir. Oui, de vivre en tuant Chandra. Ouais. Ah, c'est horrible. En vrai, on l'a perdu cette game. Est-ce qu'il faut tuer Chandra ou est-ce qu'il faut pas plus 1? Il faut plus 1, je crois. Je sais pas. Il faut plus 1. Je vraiment, et... ce qui s'abat sur moi, je me demande ce que j'ai fait, quoi. C'est les foudres. En plus, les gens vont se dire, mais pourquoi ils font ça, tu vois? Ils vont se dire, quel est l'intérêt de cette decklist? Parce qu'on enlève Karn tout le temps. Mais elle a l'intérêt, je vous le jure, c'est juste que là... Vous... Là, non, quoi. C'est pas les bons decks. Ah là là. Non, mais comme quoi, on montre que Monored, c'est vraiment le meilleur deck. Ah, c'est le meilleur on deck. On a gagné 9 PV. Hein. Ouais. Pas 1. 9. Pas 2. Donc, c'est-à-dire que le mec en tue un mec à 30 PV et pourrait tuer quelqu'un qui en a bien plus. Je peux pas bloquer. Alors là, je crois que ton marcheur est mort, en fait. Excuse-moi, j'ai pas... Mais j'ai... non. J'ai... Bah si, parce que ça va devenir des 2-2. Ah non, il a pas de spell au cimetière. Non. Ah non, pardon. Bon. Parce que s'il avait un spell au cimetière, il était mort. Il était 4... Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. En fait, on est con, faut juste top decker comme un sac. Si on top deck Jedi Ranger, on est bien. Oui. Ok, rassure-moi. Oui. Ok, on est pas strictement obligé de top decker pour gagner, pour vivre dans cette game. Non. Ok. Si. D'accord. Je sais pas en fait. Genre j'ai l'impression que même Jedi Light Ranger ne nous fait pas vivre. Oh. Surtout pas. Qu'est-ce que ça fout là ça? Je sais pas. On est parti en B1 et on a pas saillé des points. Ah oui c'est vrai. Je suis en train de venir mais des cartes de merde. On m'a Ugin plus 1 je crois. Non moins 3. Je sais pas. Moins 3 il est mort sur Bandon. Ben plus 1 et moins 3 le tour d'après. Ça te va? Il sera pas là droit vrai je pense mais bon. Bon il faut 5. Avancer. Il comment faut ça? Top deck, vas-y, plus 1. Attends, à 5 il sera là, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu me chantes là? Vous l'entendez? Qu'est-ce qu'il raconte là? Il faut qu'il y ait un bon truc là-dessous. Une Jedi Ranger là sous le 2-2. C'est bien ça. C'est correct. Très bien. Ça fait pas gagner de PV hein. Je sais à quoi tu penses, tu l'oublies. C'est une mauvaise idée. Arrête de toucher tes cartes, là, tu ne vas rien faire, le Rubik's Cube. Ça m'énerve, ça J'ai rarement eu autant envie de battre un adversaire. Ah oui, il peut tuer à 2-1. C'est trop tard, il y a Ugin. J'aimerais énormément le battre. Et quand je dis le battre. Vraiment, le tabasser, quoi. Est-ce que tu as des Putain. Landes au cimetière? En plus, je défends mono rouge, moi. Genre, je suis le mec qui dit, mais non, c'est pas Brainless et tout. Et non, c'est pas Brainless, par contre, c'est fort. Ça, je pourrais pas défendre le contraire, quoi. C'est vraiment très très fort. Non, mais là, il a des lignes de play obvious, mais il y a des match-up où c'est très compliqué à piloter, Monored. Oh bah alors? Bah, toujours plus 1, hein. Je le casserai quand il peut faire moins 7. Tranquille. Par contre, c'est normal qu'on pioche comme de la chiasse? T'as des landes ou pas sur. Attends, est-ce que t'as des landes sur, dans ton cimetière? Yes, t'en as pas. Je vais chercher Spyglass et on va gérer Chandra. Voilà, c'est bien ça. Mais je voulais savoir, c'est normal qu'on te pioche comme de la merde? Arrête de faire ce bruit là, Karn. Quand tu fais moins 2, ça fait. Calme-toi, Karn. On peut soleil ou pas? Non, on n'a pas assez, vas-y. Oh, le play safe. Mais. Vas-y, refais, merde. C'est horrible. Oh, c'est gratos. Oh, ok. Comme tu dis. Attends, c'est laquelle?
Elle s'appelle comment? Artisan. Attends, enlève, fais voir le champ de bataille. Artisan Ouais, du c'est feu, bon. Ça s'agirait de pas se tromper quand même. Hein. ouais. Mais pourquoi les bruits sont extrêmement forts? Genre, tout bout. C'est C'est très beau, très moche à cause de choisir les attaquants. ah, ça va. J'ai dit c'est beau, t'as dit c'est très très Non, moche. mais l'animation est très très Ouais. belle, mais c'est très très moche qu'il aille choisir les Vas-y, ouais. attaquants au fond. Par Parce que je vais être trop contre, rapide. Limoges, comme Comme Limoges Limoges est. est très très Non, belle. mais cette vidéo est trop longue, du coup je bilveuse, je n'en peux plus quoi. Mais Ron Spencer. l'illustration est incroyable. Ouais. On est d'accord. Même si on dirait un petit peu la planète du dessus. Juste tout là, on dirait un Anu, Un déjà. anus. Voilà. C'est ce que t'allais dire? Oui. Et tu vois, là, je suis content de faire des Bah oui, vidéos. moi aussi. En Là, plus, on la gagne, c'est bien, celle-là, là. quoi. Attention. T'inquiète. Non, c'est ça qu'on veut donner. Mais il bloque les 3-3. Avec ça? Ah, mais oui, Non, je suis avec tes con. 2-2. Non, non, pas, surtout pas avec la 4-6. Et moi, je pense que si, parce que. Ah, ouais, mais s'il a un Eh Burn Spell, ouais. on n'est pas bien. Non, Ok. tu bloques une 1-2, tranquillou. Et On prend 4 hein, voilà. quand même. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Sorcero, c'est pas grave. Sorcerer, c'est pas grave. La blague de magicien, quoi. Allez, qu'est-ce que tu vas faire, Johnny? Oh putain, il Il l'avait! T'es un l'avait. génie quoi! Il l'avait, j'ai dit, hein. Eh ouais. Par contre, il est en train de nous mettre Ah, vraiment on est à mal. pas Hein. beaucoup, Là, là, hein. c'est maintenant Oh, t'as vu, il a fait. le Jet Light Parce qu'il Ranger. a fait un petit ziz aussi, regarde. Oh, t'as vu? Là, ils C'est sont. genre, passement de jambes. Gauche-droite. Ah, c'est Nissa, elle dab. Hein. Ok, ça fait pas grand-chose. Arrêtez de nous donner carne. Arrêtez Fais quoi. donc moins 2, déjà. Ça te fait rire ça. Et on prend Je vais ça et prendre on concède. Golem. Ouais, on prend Golem. Plus un. Et là, je crois qu'il faut tuer des trucs là. Et on est mort si on trouve pas un explore en fait, tout simplement. Fais mon. Mais non, mais l'explore, de toute façon, on l'aura pas. Ce sera un truc caché, on pourra pas le Ah jouer. oui, c'est nul. Donc Bah du fais coup. donc moins 3. Moins 3 sur Steamkin. Sur Steamkin. Oui. Joue ta zone de déflagration. Oh, la zone, elle pourra faire un truc plus tard. On peut Ouais, même la casser maintenant pour péter 5-6. ça, à terme. Attends, attends. Tu peux pas faire Nissa into Golem. 1, 2, 3, 4, 5. Il te reste 2 forêts. Ouais, si tu peux. Il faut payer strictement avec ça. Ouais. Non, on pourra pas. On sera one-off. 1, 2. Ah merde, il te manquera un mana. Bah non, bah du coup, faut faire juste Golem. Ah, Eh ben c'est c'est dommage. dommage quand même. Ouais, on fait Golem. Attends, on peut pas lander? Non, on peut pas lander. C'est pas grave. Golem. Il va tuer à 3-3. Enfin, une des 3-3. Bon, en vrai, on vit là. Ouais, là on vit. Mais on est mort sur un burn spell. Mec, je vais être trop triste si top deck un burn spell. Il Gros, va je pas la vis top trop, deck. mec. Elle est Il va pas incroyable top cette deck. game. Pas d'attaque, regarde là. Là, que dalle. Ah putain. Il a eu trop de chance jusque S'il vous là. plaît. Pas maintenant. Pas comme ça, Zidane. Je peux plus. Je peux plus C'est toucher. bon. Ouais, on a un. Oui, mais on n'est pas mort. Ouais, on a un. On gagne des points de vie dans ce deck ou pas? Oui. Oui, en plus on en gagne avec Band of Flourishing Ah, et Band of avec Flourishing. des explores quoi. Oh, punissons le top des comptes Jet Light Ranger, s'il vous plaît. Ah, il réfléchit à tuer Karn. Mais n'hésite pas. On s'en fout. Mais n'hésite pas! On a quoi en side qui est bien là? Rien. À ce compte-là, je serais allé chercher une statue, mes couilles là. Pour le tuer en 16 tours. Bah pour qu'il puisse pas caster Frenzy. Eh, il s'est Bah, dit que le c'est fou, meilleur hein? play, c'est. En On plus, en il a revient bien des toujours là, trucs à là. 1, 2 et 3. Il a quand même top deck, je draw 2. Hein. Ne m'en Vas-y, parle pas. attaque. Mon tour. Putain, c'est fou de mal piocher comme ça. Nissa. Ouais, Nissa comme ça. Nissa comme ça ou Nissa pas comme ça? Nissa comme ça parce qu'on peut casser zone. Pour tuer coureur. Du coup. Ça peut avoir un petit trix d'intérêt Pour quoi. combien?
Pour 3. Pour 3, ouais. Ok, vas-y, finis ça dans tous les cas. Je suis tendu, gros. Ah, on n'est pas bien là. C'est vraiment la game de trop. Hein. Ah, vraiment, c'est la game que tu ne veux pas perdre. Mm. On y a passé trop de temps. L'investissement est trop fort. Ugin plus 1 là ? Ouais. Ça sert à rien de tuer une bête ou d'avoir un bloquant. Enfin, il n'y a pas de différence, donc autant avancer dans le pack. Voilà, en plus, pour faire ça. Annuler. Confirmer 0. Je peux pas l'animer ? Ça ne nous intéresse pas ? C'est jusqu'à votre prochain tour. T'as pas envie de le garder plutôt ? Ça ? Ouais, quoi que non, t'as raison, anime-le. Ça fait une bête de plus, je sais pas pour quel setup, mais. Ouais. Fin de tour. Ouais, il n'y aura rien à faire de satisfaisant. Il faut juste pas encore qu'il top deck un dégât, ce qui paraît quand même. Ou alors t'attaques avec la 4-6, sachant que t'as 4 bloquants, et que tu peux faire péter le coureur. Ouais, vas-y, attaque avec la 4-6. Ah, mais s'il bloque avec tout, j'ai plus marche-branche. Ouais, mais tu lui emportes. Je lui emporte, mais lui, ouais, mais lui ouais, non, de toute façon, dans tous les cas, il nous baise et. Pas d'attaque. Et c'est horrible, quoi. Comme tu dis. C'est horrible. Dans tous les cas. Allez. Mais non ah, putain, mais putain, horrible. Mais c'est horrible ce qui se passe. Horrible. C'est volé. Ah, oh, je suis fané, putain. Vous savez quoi? Attends. On ne résout pas. On finit la vidéo là. Oui, on va résoudre sur ça. C'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup hein, d'être resté jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Vous avez eu deux games de trop. Voilà, ça fait plaisir. En plus, il dit bien joué. Tais-toi, toi. Oups, voilà. On te bloque. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnement, partage, commentaire, on les lit tous, même ceux sur Utip. N'hésitez pas à aller sur Utip également, on a oublié de le dire en début de vidéo. Regardez une petite pub, ça ne vous coûte que 30 secondes, ça nous rapporte un petit peu de sous, ça nous permet de vivre de la chaîne peut-être un jour, enfin ça nous permettra peut-être un jour. Merci énormément. Vous pouvez le sablier, je vais aller vite. Hein. Si vous voulez nous voir en live sur Twitch et sur la Spark TV MTG, le lien dans la description. Tous les jours, du lundi au vendredi, il y a de 7h à 23h de la belle magie. Et tous les jours, il y a soit Val, soit moi. Soit tous les deux en live également. Bientôt des événements le week-end, n'hésitez pas à aller vous follow à cette chaîne pour ne rien louper. En plus, vous avez le lien Twitter et Facebook de ValetPL dans la description et les Discord de la Spark TV et de ValetPL également. N'hésitez pas à y faire un tour, il y a plein de gens trop cool qui font des trucs trop cool. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie.